Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer, zami Pao Foucault. Tant coup yon coup d'éclair, nouvelle ça clairé et vibrer la vie opposition. Alléluia, prière à monter grâce la descente. Eh bien, 68 membres Congrès américain mandé pour Joe Biden dit non à élection et puis référendum parce que c'est Jovenel Moïse même qui programme elle. Bagay ça fait opposition sentil seul mettre essayer parce que li sentil fait un gros pas en avant dans bataille. Mais comme petit proverbe créole l'a dit, c'est les bourriques fin descend mon wa konnen si coupion le pape cassé. Qui ça Joe Biden a dit dans cas ça? S'il dit non, li pap finance élection ak référendum, ki sak pral passe dans pays les États-Unis? Et s'il dit oui tout, ki sak pral passe dans pays les États-Unis parce que dit oui ou bien non, tout de gen gros conséquences sous gouvernement Joe Biden. Rale ti chèz ba ou chita confortablement, m'pral ba ou tout tripotay sa yo nan poti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou avec patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pas fouko. Nous t'ai quelque chose présenté ou un petit compte bien bonné matin là qui c'est la kata ou fait ta ou l'autre bord inattendu. Eh bien, réponse là, c'est coûte l'oreille. Donc, merci avec chaque fanatique qui t'a commenté. Nouveau compte ou gagné, eh bien, c'est Piquette nan mitan nan men. Piquette nan mitan nan men. Pas hésiter à quitter réponse pour là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile. Nan moment là, m'a fait ou connaît, eh bien, président Jovenel Moïse lui-même, li gagne yon cigarette qui li met nan deux pointes li pa kon sa pou l'fouré nan bouche li puisque pa gen kote l'man yel li pa boule. Eh bien, 68 membres nan Congrès américain, mandé Joe Biden, tant pris souple, dit non pour nous dans l'élection avec référendum, puisque yo estime c'est Jovenel même qui programme le comment. Let's say au voile by Anthony Blinken qui c'est ministre affaires étrangères président Joe Biden nan yo mandé administration pour yo suspendre financer référendum constitutionnel là qui proposé par président Jovenel Moïse et yo mette en garde danger qui capable gagner si c'est Jovenel qui arrivé faire élection en dedans pays d'Haïti. Les autant de voix société civile haïtienne, ak organisation Bazio, yo indiqué clairement pas que aucune élection sous administration actuelle là dans pays d'Haïti cap libre. Tale, t'es jamais une élection qui t'est libre. Mais mademoiselles et messieurs, c'est un fierté, oui. Pour ou c'est jeune, ou gen 18, ou gen 19 ans, ti kat, comment ti kat la rel encore, ti kat demalogue. Ti kat demalogue ou nan mais et puis élection pral rive ou content ou senti ou en joie parce que ou pral choisi un l'autre moun pour mettre dans tête ou pour diriger et non seulement ça tout qui capable prendre responsabilité pays ya, et puis tout qui a travaillé pour que pays a lui-même capable de développer. C'est un grand fierté. Mais comment t'es qu'à comprendre pour élection pour arriver, n'est-ce oh, mon chien, pral fait quoi, mon chien? Oh, à chaque tête, moun mille goud. Et ça que l'élection libre là? T'es jamais une élection libre qui fait dans le pays d'Haïti. Quel monde qui pas pêché à faire premier coup de roche là dans ce sens? Parce que, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou voulez parler d'élection libre, moi d'accord, parce que les États-Unis, dans le pays États-Unis, toujours une élection libre. Pas de problème. Non, non, mais dans le pays d'Haïti, c'est autre chose. Parce que, comment t'es qu'à comprendre pour moun candidat, soit la présidence, soit pour sénateur ou bien député? Et puis, ça qui passe, il y a des zones qui connaissent tel, ouais, Sandoula, c'est tel qui a dirigé, c'est Zoa qui a frappé là-dedans, c'est l'appli qui a tombé là-dedans, you know. Donc, comment t'es qu'à comprendre pour moun sa juste passer l'entrée là, le faire campagne comme ça? Non, pas faire ça. Faut jouer avec mettre base là. Pour chita pour parler ensemble avec elle. Pour dire, faut qu'il fait moun qui côté lié à al votel. Et ceci, yo mette machine là pour disponible. Yo bay moun yo frais de transport. Vous comprenez? Et puis, chef ça tout, lui-même, il a seulement passé là, il dit, tout le monde n'a voté un tel cap bon pour nous, parce que l'argent parle là, il est en fait. Et mon, il y a obligation pour voter, sa chef base là, dit.
Et ceci, les gens qui viennent mettre en bus, faire ou aller voter, les toutes fines voter, on remettre en bus, tourner ensemble avec eux. Nous connaissons l'élection toujours un gros cambis qui fait 10 ripoules, et puis s'entendre à Kinko là, et comment le bail là encore, Fanta, et puis les gens qui sont voter ou passer ou manger un bel plat d'iri, on cuisse poule, ensemble avec yon Kinko là, ou mettre quoi, mais bien, rien vote ou ou payer ça là déjà. Eh bien, les confins fait ça rentrer la caillou, pas attendre que les chefs ça lui-même, il fin rivé dans le parlement, ou bien il fin rivé dans l'exécutif là, il va le régler en cause qui pisse sérieux. Pour qu'on te paye déjà et l'argent de bon manger. Donc, est-ce que l'âme qu'a parlé des élections qui libre, puisque les élections faut que m'gué base, faut que m'gué moun qui pourra veiller pour moi, faut m'gué moun qui pourra faire faute pour moi, faut m'gué moun qui veille, qui voter des fois pour moi, faut m'gué mandaté qui fait scandale tout côté. Est-ce que ça c'est élection libre? Comment me dire qu'à comprendre que mon cap et dont l'autre vote dit c'est tel pour prendre ou l'autre vient à bureau de vote là, il dit mais tel pour prendre, pas bien faire chier tant mais ça pour. Et ceci, ça dépend de qui est qui dans bloc là, qui est cap contrôler et bien centre de vote ça. Gardez centre de vote ou tomber là-dedans et bien c'est moun grand chef yo vote, ya, ça veut dire bazio, gros superstar. Nous connaissons en Haïti, plusieurs types de superstars, des superstars à ZAM, des superstars dans radio, des superstars sous béton, des tout net. Donc, en ce sens, c'est sa chef bandit a dit, ya, c'est lui pour faire. Donc, en ce sens, ou obligé couper pour capable sauver pour, capable sauver la vie ou voter grand monde ça. Est-ce que l'âme qui a parlé d'une élection libre qu'a faite dans le pays d'Haïti? Oh non, jusqu'à présent, mes amis, et monsieur les congressmen, c'est ça? Ah, monsieur les congressmen, s'il vous plaît, des élections libres n'a pas l'air, hein? Pas hésiter dans la prochaine note, n'a pas mis de yo, à dire de qui libre parce que, bah là, on t'y j'en, m'en gomme pas Boris. Et non seulement ça, tout y aller plus loin pour y dire, y a besoin d'une élection qui juste avec crédible. Qui ça crédible dans le pays d'Haïti? Bon, jusqu'à présent, on ne connaît pas. Département d'État doit concentrer plutôt sur problème légitimité démocratique qui identifié par société civile haïtienne. Pas de problème en pousser pour pire devant. Députés américains ont profité pour longer toute longueur dans ça qui concerne détérioration et situation générale pays d'Haïti. Dans cas ça, élection pas organisée vrai parce que yo pas respecté normes yo elle pas inspiré confiance tout nan ka ça eh bien c'est gaspillage totalement qui ça pour faire que élection en lui-même tout monde ka fait confiance c'est là que ni pouvoir ni opposition créent transparence. Transparence ça veut dire tout ça qu'a fait population en connaît yo pas dans passer zèle carte batable mais pas bon ici nous plus quoi nan corruption que fait bagaille là comme si avec transparence. Et même haïtien tout pareil parce que nous tellement vivons dans Fenouya donc le jour li met lumière pour nous nous est ça mal. Donc en ce sens est-ce que des transparences eh bien congressman yo a parlé est-ce que qu'on gagne tout bon vrai nan et organisation élection dans pays d'Haïti jusqu'à présent moi me connais pas qu'on gagne. N'a continué pour nous dire eh bien 68 membres congrès américain, tout est touché légitimité pouvoir en place là, qui manquait crédibilité pour organiser un référendum constitutionnel, dans date cap 27 juin 2021 là, et puis tout pour organiser une élection qui libre et équitable. Yo poussé pour pi devant pour dire, plus passé 10 ans, eh bien, communauté internationale là, a investi des centaines et des millions de dollars pour yo capable joindre une stabilité politique à une démocratie représentative qui pas faite nan moment. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, go bagay pour nous comprendre là. Moi d'accord que communauté internationale a financé pays d'Haïti en pile, yo bay des centaines. Yo bay des millions et si yo bien compté, yo presque arrivé dans milliard. Donc en ce sens pour juste yo capable jwenn une stabilité politique dans pays ya. Mais qui est-ce qui créer instabilité politique ça? Ça c'est la grande question. Parce que go bagay pour nous remarquer là, quand groupe li même li dit, li pas dans référendum mais faut que yo jwenn une entente politique pour que élection lui-même capable fait. Si il y a une entente politique qui fait, donc ça veut dire que nous pas parler d'un référendum, n'a pas juste nous gérer la constitution, nous comprendre ça me dit là et puis s'entendre à élection faite 7 février 2022 qui a venu là et bien l'autre gouvernement qui monte. OK. Donc ça c'est ça corps groupe lui-même lui dit. Tandis que congressman yo même yo dit, yo pas dans ni élection
ni référendum avec pouvoir en place là. Donc en ce sens, côté qui ça congressman yo campé côté ti transi, tandis que dans pays pa yo, est-ce que qu'on y a transition? Non. Donc là, faut que nous connaît qui ça député rejoindre dans mes nèg opposition par Borisite, qui fait yon vont ton bagaille comme ça. Madame mademoiselles et messieurs, gon bagaille pour comprendre. Est-ce que Joe Biden lui-même a bien accepté tout signé pour que lui pas financer ni référendum à toute élection dans pays d'Haïti. Et déjà, yon prévoit dépenser yon total de 40 millions de dollars pour dossier référendum ça. Donc, référendum plus élection, nous capables de 80 millions. Est-ce que Haïti fait dollar? Non. Donc, gon bagay tout pour nous souligner. En partie, Joe Biden, bon côté, d'après un pile analyse, eh bien, li pa ta ka jam aksepte pour élection parfaite dans pays d'Haïti. Gen deux raisons. Première raison, c'est qui ça? C'est que Joe Biden lui-même, li son président démocrate. Et ceci, pour te arriver dans tête pouvoir, ça que le te fait, c'est dans élection d'Ali. Donc, tout moun kap vin kotel, au contraire, la conseille aller dans élection sous besoin prend pouvoir. Ça, c'est youn. Et ceci, pas organiser élection journée jodi a viré dans transition, c'est pral le problème pire toujours pour gouvernement, là. Pour qui ça pral le problème pour lui? C'est parce que, de temps en temps, eh bien, même opposition, ça, pral nan dégoni toute journée, nous besoin quoi pour nous faire ceci, nous besoin quoi pour nous faire cela, tout petit détail, mais c'est comme ça, monsieur, ça, ou même, après arriver, fait toute quantité l'argent, yo, et non seulement ça, tout, attendez, après transition, ça, tout le monde grand yo, tout quitter opposition, même Jacques Brunet, privé par opposition, encore seulement, fin quitter pouvoir sur ce DA, privé millionnaire, nan boule figue nous, là. Aussi simple que ça. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce qu'on pense que qu'on y a Joe Biden lui-même pour aller faire un travail comme ça, à le dire oui, et Jovenel pas crédible pour faire élection, ni tout pour organiser référendum. Donc, en ce sens, n'a pas une transition. Est-ce que qu'on y a là, pour ça, n'a pas courir, n'a pas dit nous pas ensemble avec Jovenel, parce que Jovenel sont impurs, n'est pas supposé faire partie du monde. Et non seulement ça, tout nous pas aller dans l'élection ensemble avec elle. Est-ce que qu'on y a là, transition, j'en nous qu'on a dit, est-ce que écrit ou dans la constitution, malheureusement, non, pas écrit dans la constitution. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, côté bagay la pitris et le téléphone et tout, hier, m'a regardé une conférence de presse que quelques membres dans l'opposition en bail, côté au déclaré, eh bien, yon prêt pour yon chita, pour yon dialoguer ensemble avec Jovenel Moïse. Jodia, yon l'autre groupe opposition qui dit, yon pap chita ensemble avec Jovenel Moïse. Dans ce cas, est-ce que, puis c'est gars qu'on qui met? Non. Combien opposition nous gagne dans le pays, ya? Nous pas connaît. Pays d'Haïti pour combien lié? Pour nous toutes. Ça Jovenel lié tout, yon haïtien. Ça opposition ayé c'est haïtien kladan yon donc. Qui ça passe qui fait au moins nous pas ka chita mes têtes nous ensemble même pour 30 minutes pour que nous capable résoudre crise ça qu'a traversé pays d'Haïti. Donc je ne jodi a li clair et nous capable comprendre tout, son question de place, son question de pouvoir qu'a gérer totalement dans pays a, pas gon question de pays qu'a gérer, pas gon question comme si n'a sauvé la patrie, pas gen bagaille comme ça. Donc des fois on connait nos camp ou gen un ennemi là-dedans. Mais là ouais, jouet la marée 14. Là où est situation difficile ou obligé à aller côté de nous là pour dire ah même qu'il apprenne à continuer faire gel noir mais en sauver pays a en retirer pays a non et pas ça puisque situation lui-même est vraiment critique parce que comment t'es qu'à comprendre pour nous toutes ces haïtiens nous plus à chercher comme si attention le blanc oh le blanc tu ne sais pas à quel point que je t'aime je ne peux pas vivre avec Jovenel Moïse I can't every donc en ce sens, laissez sans blanc nous besoin prendre ces paroles nous besoin entendre qui pour faire nous bien. Donc est-ce que l'indépendance santé gain blanc au contraire c'est pousser pas pousser de nous. Donc journée jodi à mesdames mademoiselles et messieurs, qui ça que la cause que nous qui fait nous pas qu'à prendre responsabilité nous pour organiser une élection. Comprendre bien ça me pral dire là. Congressman yo déclaré plus passé 10 ans eh bien, yo a vidé corps dans pays d'Haïti des centaines et des millions de dollars pour qu'ils soient capables de gérer un dossier instabilité politique. Pour que le gouvernement, que tout le peuple a lui-même, lui senti à l'aise ensemble avec elle, qu'il travaille tout bon vrai. Mais, communauté internationale, ça, qu'il a vidé l'argent dans le pays d'Haïti, j'ai l'impression, si c'était nous-mêmes qui t'es ready, qui vous fait comme ça, pour que nous t'es organisé élection encore dans le pays, nous, franchement, nous pas t'ap dépenser tout ça. L'aime dit nous pas t'ap dépenser tout ça parce que abse a en derrière nous lié bagala t'ap fait nous mal mal c'est les selik foulé
Donc en ce sens journée aujourd'hui, non seulement Corée groupe lui-même li senti le foulé, congressman américain au senti le foulé et Joe Biden tout puis devant le bras senti le foulé ensemble avec nous puisque nous pas ka chita pour nous prendre décision pour nous connait qui côté nous praler tout bon vrai. Donc, là que communauté internationale achète à la bon l'argent pour faire ceci. Même vaisseau qui pour laver la carrière, vous faites bon l'argent pour acheter femme. Tout ça qu'a fait net dans le pays d'Haïti, faut nous prendre bol blé, nous pour nous demander et dans l'autre pays. C'est normal, journée jeudi, pour y'a fait nous faire tout la lito. C'est normal, journée jeudi, ou regardez, même ma opposition qu'a dou, c'est communauté internationale là qui kembe Jovenel sous pouvoir. Et puis c'est au même encore qu'a cherché attention, communauté internationale là, pour dire, nous, Jovenel pas bon moun, retirez nos figues nous, s'il vous plaît, à la veille, pays a pas qu'à diriger comme ça. Bon, disait y'a kembe les picouni, on prend l'entête et l'angle ensemble avec vous encore. Donc, nous capables de comprendre que chaque monde, c'est petit cob, c'est petit bail, y'a géré, c'est pas dossier pays, vrai, cap géré dans le moment. Donc, ça cap veille ministre, ça cap veille directeur la police, ça cap veille affaires étrangères, chaque monde a veille un bagay, pour y'a entrer, pour y'a faire cob, pas y'a passé bail là, son savant nié. Donc, journée, jeudi, à mesdames, mademoiselles et messieurs, bagay là tellement dégénéré, y'a qu'à rentrer là, qu'à y'a fin kidnappé, qui compte au bras les bois pour déplaître. Dans des CPJ, qui des CPJ? Est-ce que jusqu'à présent, dans un moment, n'a pas résilié nous pour nous vivre à l'état de nature, pour nous pas passer à l'état civil? Ça veut dire nous style toujours à vivre dans le coup bête non pays. Donc, bagala anti-jean dégénéré et anti-jean l'aide. Donc, dans ce sens ça, eh bien, même congrès américain, hein, mandé, nous devons réfléchir sur un pire bon résultat pour nous suspendre, retirer trip, pour nous bourrer paille dans place. Parce que yon paquet mouvement qu'a fait jour et jodi à dans pays d'Haïti, c'est mouvement retirer trip mettez paille. Donc là où di wap voye yon gouvernement aller, pas gen problème. Mais moun ki pral remplacer là c'est qui est lié parce que ça qu'a passé jour et jodi à dans pays a pas gen pièce moun ki innocent et ceci si la nati ta commencé jodi a même fait travail moi même m'a victime tout moun ki la net tout moun k'a coûté a victime tout puisque ça qu'a passé dans pays a nous complice là-dedans. Donc, nous capables de remarquer tout, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous, ouais, parti PHTK, comme nous connaissons président Jovenel Moïse, l'été monté président sous l'obédience, c'est bien PHTK. Donc, PHTK lui-même, lui campé, tout le monde, yo, yo, campé, yo, déclaré que, yo, pas dans référendum. Kounya là, opposition qui est en soumis, qui est en ticket. Si tout nèg PHTK ça ou dit ou pas dans le référendum, yo pas avec Jovenel, là, yo commencé rejoindre nous. Et rejoindre, yo commencé rejoindre nous là, qu'on y a là, yo tout, nous yon pas rentrer dans l'autre. Et ceci, ancien candidat à la présidence qui était sorti dans parti ça, pour un pile moun, si transition arrive faite, eh bien, l'impossible pour monsieur le président encore. Est-ce que nous comprenons? Qu'on y a là, nous capables de remarquer, tout, sous tout internet là, son discussion, l'agent Petro-Caribe cap fait, pour qui ça? Parce que, eh bien, même opposition, qui pas manger l'argent, yo pas voulu pour nèg PHTK sa yo, vin font fusion, vin rencontrer ensemble avec yo, pour y'a combattre contre qui est-ce contre Jovenel. Donc, nan ka sa, qui est-ce qui gagne raison, qui est-ce qui gagne tort? Est-ce que c'est Jovenel Moïse qui met pays en situation liée à tout bon vrai? Est-ce que c'est opposition, ou bien, c'est nous tout qui pas prend responsabilité nous, qui la cause sa fête, journée jodi a? En pile moun toujours campé à déclaré fuck peuple haïtien prend responsabilité. Qui responsabilité peuple pral prend? Yes, faut que nous poser tête nous question ça, qui responsabilité ou pral prend? N'a dit peuple pour lever camp. Lever camp qui bon. De toute façon, continuez poster nous, caler corps nous des barricades nous parce que c'est lui qui a venu nous. Tandis que tout l'autre pays a pas avancé, nous juste rester là n'a gérer petit dossier politique, dossier l'argent parce que madame mademoiselles et messieurs, il y a monde qui tellement pas habitué avec l'argent, immédiatement yo arrivé dans parlement, faut que tout cache poche yo plein et non seulement ça tout pas venir régler rien. Comment t'es qu'à comprendre pour voter un monde pour la plaider pour lever 1000 pour voter une loi? Combien millions de gouttes qui vous déposez? Mais c'est, est-ce que c'est pays n'a fait ou bien c'est non gagé que nous y est? Donc, situation vraiment difficile dans le moment et des centaines et des milliers haïtiens a quitté pays à pour essayer d'être capable à le galon souffle dans l'autre pays à battre la vie. Donc, hier, mesdames, mademoiselles et messieurs, à grand étonnement, eh bien, soldats mexicains yo arrivé kembe 1000 haïtiens qui t'a essayé de traverser frontière pour aller tomber kay tonton Sam. Nan Kanara, côté l'état miel a coulé. Donc, en ce sens, est-ce que dirigeant nous yon pas dégagé ou pressé pour que yon jouen yon entente entre yon pour que petit Tessa suspende lever courir contre insécurité,
contre kidnapping parce que les wap couri pour la pli ou al tomber dans rivière bagay la pidi parce que ou ka la wap couri pour insécurité wap couri pour kidnapping mais dans pays ou pralé ou pas contre qui trahi qui tribulation qui misère que ou pral passer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, priez veillez parce que bon Dieu lui-même et pas chaîne li pas cassé. Donc en ce sens, on remettre li, on lever pays d'Haïti avec tout dirigeant yo remettre li de quoi la accompli un miracle dans la vie et dans la vie nous tous. N'a fait place à Voix d'Amérique pour es information nationale et internationale. N'a tourné dans un petit temps qui pas trop long. Gros nouvelle. Mon amyo, bienvenue. C'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir une autre fois encore pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info et donc plaisir même chaque jour. Et actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti ou bien concernant le pays d'Haïti, côté que eh bien, plus passé 60 membres dans la Chambre députée Congrès américain, voyez une lettre by. Et secrétaire d'État Anthony Blinken yon lettre hier lundi 26 avril là pour mander pour États-Unis changer politique vis-à-vis Haïti. Lionel Demarat a présenté nous quelques extraits lettre ça que 68 députés voye by département d'État. N'a cité les nous considérer tout facteur ça yo. Nous encourager département d'État prendre disposition ça yo. Numéro 1, parler clair pour dire les États-Unis pas offrir aucun support financier ou technique pour faciliter référendum sous constitution proposée, sans oublier pour ne pas faire ça à travers institutions multinationales. Nous notons que dans la discussion autorité département d'État fait avec membre Congrès, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas pensé l'y approprié pour responsable avancer avec référendum. Non. Cependant, l'Organisation État américain, l'OEA, avec Mission Nations Unies en Haïti à Binu, offrit un appui verbal pour processus là. Nous encourager le département d'État sérieusement pour utiliser voile avec vote dans l'institution SAYO pour garantir que l'argent contribuable américain yo pas dépensé pour corriger référendum ça. Numéro 8, recadrer et réformer politique les États-Unis en Haïti grâce avec nomination un acteur qui méritait confiance pour servir comme représentant spécial pour Haïti. Mission yon moun qui occupe yon position comme ça, c'est superviser yon révision générale assistance étrangère les États-Unis et li va gen pour le travail pour permettre acteurs qui éparpillés, quitte c'est ça qui en Haïti yo, quitte c'est ça dans communauté internationale là, pour yon réunir ensemble avec l'idée pour corriger yon stratégie que haïtien va lancer pour développer démocratie. Numéro 9, faire consultation dans haut niveau avec représentants société civile là en Haïti et avec groupe dans diaspora pour tendre des caisses avec recommandations sous façon Haïti capable avancer sur route démocratie. En balai de ça, nous jouons signature 68 membres chambre basse les États-Unis. Merci Lionel Demarat qui se présente nous extrait quelques extraits dans l'aide ça que 68 députés voye by département d'État puis précisément secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Réaction sous l'aide ça, M. André Michel, qui est porte-parole secteur démocratique et populaire, il réagit sous l'aide ça pour dire que position, branche opposition que la donne, il n'y a pas gagné aucune négociation, ni élection, ni référendum avec président Jovenel Moïse. Nous pas dans négociation avec Jovenel Moïse. Nous pas dans référendum avec Jovenel Moïse. Nous pas dans élection avec Jovenel Moïse, non pas en cohabitation avec Jovenel Moïse. C'est la position du principe du secteur démocratique et populaire. Et je vais dire au plus. Je dis à pas aucune élection possible. Pour le moment, pas un conseil électoral, ou pas qu'à parler d'élection avec un conseil électoral, il y a 9 membres PHTK là-dedans. Ce n'est pas possible. C'est 9 membres qui travaillent pour PHTK. Il faut un conseil qui est crédible pour l'élection. Deuxièmement, climat sécurité, Jovenel PHTK mette gang dans le pays, kidnappé moun, tué moun. Ou pas qu'à parler de l'élection, non, climat d'insécurité aussi et inquiétant. Troisièmement, toute classe politique, là, opposition, toute société civile l'a dit, il n'y a pas d'élection avec Jovenel Moïse. Quatrièmement, sur le plan technique, les conditions ne sont pas réunies. D'accord?
Jusqu'à présent, pour avoir 4 millions de monde qui ont un carte électorale. Et son carte électorale dermalogue, personne ne peut faire confiance. Bref, les conditions techniques ne sont pas réunies. Il n'y aura pas d'élection cette année en Haïti. Oui, mais et si la communauté, si la communauté internationale, si la communauté internationale, 4 millions de monde. Oui, mais c'est faux. Si la communauté internationale souhaite vraiment qu'il y ait des élections en Haïti dans un délai raisonnable, cette communauté internationale, quitte ses ambassades américaines, quitte ses corps groupes, quitte ses tout l'autre monde, au département d'État et la trier, ils fait pour comprendre qu'il y a 4 conditions minimales qui doivent être réunies pour qu'il y ait des élections. Il y a 4 conditions minimales qui doivent être réunies pour qu'il y ait des élections en Haïti. La première condition minimale, c'est le respect de l'article 134-2 de la Constitution. La deuxième condition minimale, c'est la mise en place d'un conseil électoral crédible. La troisième condition minimale, c'est la sécurité qui gouverne dans le pays. Et la quatrième condition minimale, il faut qu'il y ait des conditions techniques qui réunissent, il faut que tout le monde ait une carte électorale. La première condition, c'est le respect de la Constitution. J'avais dit, il faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Bref, il n'y aura pas d'élection en Haïti en 2021. Et la communauté internationale commence à pénétrer cette réalité, à savoir que les élections sont impossibles avec Jovenel Moïse en Haïti. Et Jovenel Moïse, je le redis, je m'adresse à la communauté internationale, Jovenel Moïse aujourd'hui, c'est un irritant, il est le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti. Si la communauté internationale veut des élections, effectivement, il faut le comprendre, nécessité pour que le plus vite possible, il y ait évacué Jovenel Moïse. Et nous autres de l'opposition, nous n'avons pas peur des élections, nous voulons aller aux élections, mais nous exigeons que les conditions soient réunies. Première condition, respect à l'article 134-2 de la Constitution, il faut que Jovenel Moïse évacué, parce que le mandat fini, il y a le pouvoir par la force. Deuxième condition, il faut gagner un conseil électoral crédible, pas avec Mounsa Ogila. Troisième condition, il faut que sur le plan technique, tout le monde est capable de jouer une carte électorale, il faut un système fiable, il faut une liste électorale générale fiable. Et quatrième condition, il faut une sécurité pour tout le monde. Bref, nous n'avons pas peur des élections, nous sommes pour des élections le plus vite possible, mais les conditions doivent être réunies. Maître André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique et populaire. Fondi sous accusation, 9 membres et membre PHTK, moi entend des déclarations Guirlande Mesadieu qui c'est président CEPA qui dit que lui-même depuis président est fin nommé là, il pas gain rapport encore avec président, pas dépendre de président. Nous souhaitons que n'a gain madame Mesadieu sous plateau ça pour capable faire le point par rapport à accusation ça yo que maître André Michel et fait ou sous la voix de l'Amérique n'a pas depuis Washington DC ou à suivre rendez-vous info. Merci d'être branché, toujours été branché dans moment ça. Nous gagnons Konya sous Skype ingénieur Mathias Pierre qui c'est ministre dans le gouvernement qui chargé de élection avec rapport et avec parti politique. Monsieur Pierre, ministre Pierre, c'est un plaisir pour nous accueillir sous la voix de l'Amérique. Et on le fait encore. C'est un plaisir pour moi avec vous et certainement avec tout auditeur auditrice captain de la voix de l'Amérique dans le moment. Et ministre Pierre ou c'est ministre qui est responsable question électorale dans le gouvernement et ou s'entendez et lettre ça, extrait dans lettre ça, peut-être que ou l'île déjà, qui parlait de gouvernement américain, c'est un groupe parlementaire qui demandait que États-Unis pas contribuer, pas supporter ni référendum et même et élection et ou même qui gens ou tendez yon réaction comme ça, lettre ça, qui gens l'île lettre ça. Bon, écoute, et moi je crois que je dis, hein, et gagner en pile et information et particulièrement des fausses informations qui a circulé et en pays et sur les réseaux sociaux par rapport à la réalité et certainement et au niveau du gouvernement haïtien le président Jovenel Moïse lui continuer faire appel à classe politique là pour que gagner un accord politique qui sortit, il continue ouvert les bras, il continue à faire appel et faire effort pour que bon accord politique. Mais cependant, il est clair que nous, dans la cinquième année
mandat président Jovenel Moïse qui est élu pour 5 ans et 7 février 2022 mandat arrive à terme. Il gagne une obligation constitutionnelle pour qu'il remette pouvoir à l'autre président élu et seule façon pour que ça fête, faut le faire à travers des élections. Ça c'est une route que le président obligé prend parce que le peuple haïtien seul pouvoir qu'il gagne c'est utiliser un bulletin de vote pour qu'elle a décidé qui monde qui peut diriger le pays. Et c'est pour ça que l'élection, c'est une obligation que liée. Et ça étonne que nous tendons des déclarations et nous suivent et nous lisent avec un pile attention lettre de congressman et qui écrit qui t'a presque t'a suggéré que l'élection pas ta obligation, mais nous croyons que en démocratie, et pas gain démocratie, sans que gain élection, que tes peuples là, ils gain pouvoir pour décider qui monde qui vous dirige. Maintenant, pour ce qui est du référendum, qui est un acte souverain de l'État haïtien, nous comprenons la position de certains acteurs de l'international qui ont même mandé et qui continuent à intéresser, ouais, que gain ouverture qui fait pour que l'avant-projet de texte proposé soit discuté par différentes couches et strates dans la société, ce qui a fait jusqu'à présent depuis le texte en sorti en février dernier, nous continuons à prendre des dispositions pour que le peuple haïtien connaît le texte. Mais l'acte est un acte souverain et le peuple haïtien, le 27 juin, vient pour décider si oui, livre les nouvelles constitutions. Laisse sa élection a fait sous nouvelle constitution, sinon élection a fait sur la constitution de 1987 amendée en vigueur. Donc monsieur Pierre. Monsieur Pierre, si vous comprenez bien, l'aide ça a pas fort ni chaud ni froid. Et nous tendez partenaires de pays aminouyo et qui il y a des positions que vous prenez dans l'aide ça par rapport à TPS, par rapport à compatriotes qui vivent aux États-Unis, mais il demande pour que pas gagne financement référendum là qui fait par le gouvernement américain. En fait, et déjà communauté internationale là, t'es déjà pas à financer référendum là et Haïti pas de faire qu'une requête pour que référendum là t'es financé par l'aide extérieure. Gagne un basket fund et ça n'est le fonds fiduciaire qui mettait en place par le système des Nations Unies dans le cadre d'un accord qui pourrait support technique et logistique dans la question élection. Jusqu'à présent, c'est Haïti qui versait premier versement de 20 millions de dollars qui versait et qui permet de faire toute commande de matériel non sensible et sensible qui vient pour arriver mimer, qui pour faciliter et faire référendum là. Et deuxième versement, et qui pour permettre préparer l'élection septembre Cap Vinio, c'est encore pays d'Haïti qui versait 9 millions de dollars comme contribution en dans fonds fiduciaires. Et oui, et nous t'as toujours aimé comme pays que nos partenaires internationaux, par rapport à la faiblesse que nous gagnons en termes de structure et d'infrastructure, permettent que yo t'as contribué pour aider nous organiser les élections, mais au moment qu'on a parlé, c'est le référendum est un acte souverain. Le gouvernement haïtien lui prend engagement pour que lui finance référendum là, pas un référendum qu'a fait pour le plaisir de faire un référendum. Toute problématique que nous gagnons, par exemple, trois élections qui doivent faire dans une période de 5 ans. Qui n'a jamais été fait, qui fait que nous avons des institutions qui viennent dysfonctionnelles comme le Parlement, c'est parce que le coût d'élection est trop élevé. Haïti n'a pas de capacité pour faire 3 élections dans 5 ans. Je me rappelle 2015-2016, l'élection a coûté 100 millions de dollars. L'élection qui a été faite, le budget, c'est 125 millions de dollars. Nous n'avons pas gagné un volume comme ça pour faire plusieurs élections. Si nous avons gagné une constitution qui permet de gagner une seule élection, un seul tour, tout partenaire international dit nous, une élection à 2 tours, il coûte 3 fois plus qu'une élection à 1 seul tour. Pourquoi ne pas profiter
l'étape ça pour avoir une constitution et président Jovenel n'est pas fait en faveur puisque le pape candidat dans le cadre ça capable sortir. Ça veut dire que pour que gagne une constitution qui coûte pays à moins, qui retire la plus crise, la plus confusion. Monsieur Pierre, les institutions ont été en place. Excusez-moi que je m'interrompe. On va essayer de voir la situation ensemble. Et référendums sont actes souverains. Mais nous d'accord avec même que États-Unis c'est le grand voisin avec tout poids que le gagne sous politique dans le pays d'Haïti. Binu gon position Nations Unies et qu'on y a corps groupe gagne des réserves. La classe politique et des sommités intellectuelles, Jerry Tardieu et Met Gauss, Mirland Maniga, yo tout yo compte question référendum non et gouvernement dit ouais pas ouais li pralé, c'est un acte. Ce référendum non son acte souverain, mais il semblait c'est pas c'est plus que yon, c'est moins qu'un acte souverain, c'est un acte gouvernemental parce que si tout secteur ça yo et les amis pas d'accord avec elle, mais nous dit nous pralé malgré tout que gen moun ki gen des réserves constitutionnel par rapport à ça. Donc nous parler quand même. Moi crois que et notre groupe là, il dit que quant au changement de constitution, le corps groupe exprime sa préoccupation devant le fait que ce processus n'est pas à ce stade suffisamment inclusif, participatif et transparent. En d'autres termes, toute note qui sortit ni par l'Union européenne, ni par le corps groupe, ni par BINU, yo allé dans le même sens là, yo mandé l'État haïtien, le gouvernement, que en privé, que en public, je dis, hein, que le processus soit participatif, le processus soit inclusif et que y ait plus de monde qui participe là-dedans. L'étape un petit peu difficile. Pour un partenaire international, t'a dit que li pa vle que Haïti consulte peuple, pendant que 90% haïtien dit faut gagner une autre constitution dans pays. Et moi li avec un pile. Est-ce que 90% dit qu'on gagne l'autre constitution ou bien 90% dit que faut gagner référendum? Même opposition, hein, li fait congrès Mariotte, li dit faut gagner l'autre constitution. Mais il faut qu'on transition de 3 ans. Monsieur le ministre, on n'a pas parlé de référendum. On n'a pas parlé de. Référendum. Référendum pour faire une nouvelle constitution. Et la note, et ou encore cette lettre signée par les 68 et députés américains qui voyaient par le secrétaire d'État, pas dit que Haïti pas qu'il doit faire référendum. Il dit, et m'appelle là très bien, OK? Américain. Ou encore gouvernement américain, pas de bail aucun support financier ou technique pour faciliter amendement référendum constitutionnel qui propose. C'est ça, parti anglais a dit. Oui. Et nous comprenons. Et les spécifier, dans le cas de support, ça, faut pas un corps qui bail qui pour aider le fait. Nous comprenons ça comme gouvernement haïtien. Nous et son partenaire. Des ça veut dire ou en opposition à partenaire là. Nous tendons partenaires et de plus en plus nous avons fait tout ça capable. Jodian dans la presse haïtienne, le débat sur la constitution est ouvert. Et le texte de l'avant-projet est en discussion et nous apprenons l'autre disposition pour nous mettre plus monde embarqué en dans le débat. Sous texte constitution, hein, de sorte que nous, au niveau, en tant que peuple haïtien, nous sortis avec un texte qui créait moins de conflits, plus de stabilité politique. Parce que si nous n'avons pas fait ça, nous sommes obligés de faire une élection et nous sommes obligés de faire une dernière session parlement cap gain pour venir en 4 ans peut-être, avant que nous tentions de faire un amendement constitutionnel. Jean Sassoud échoué dans l'année 2019, dans la dernière session parlement qui se passe. Monsieur Pierre, nous comprenons la difficulté qui gagne aujourd'hui dans le cadre de gérer le pays avec la
constitution que nous avons aujourd'hui. Monsieur Pierre, l'heure ferme la guerre sérieusement, même pour un petit aspect technique. Hier à minuit, il a fermé registre référendaire là. Est-ce qu'on a un chiffre sur la quantité de monde qui a dit ça? L'ONU transféré au CEP 4,5 millions de personnes enregistrées. ONU a continué à enregistrer le monde, mais le registre électoral, là, comme il faut qu'il était fermé suivant exigence technique CEPA et partenaire technique qui va accompagner lui 60 jours avant le jour du vote, donc il ferme et nous transmettre à CEPA 4,5 millions de personnes qui sont enregistrées et qui doivent participer dans le référendum Cap Vini pour le 7 juin Cap Vina. Donc, ministre Mathias Pierre, vous comprenez qu'il faut retourner encore sur la voie de l'Amérique parce que l'heure a bousculé nous. Nous voulons dire merci de ce côté accepté avec autant d'amabilité pour te répondre à question nous. Mais nous prenons l'autre rendez-vous encore. Avec plaisir, avec plaisir. Merci, ingénieur Mathias Pierre. C'est ministre qui est chargé de questions élections avec rapport avec parti politique dans le gouvernement. Malheureusement, le fait nous la guerre qui était empêché que nous ayons l'autre point avec le ministre là. Quand nous pral en province, et environ 28 policiers recevoir certificat dans une cérémonie graduation qui déroulait pendant le week-end dans le Basio Moncas. Un reportage, Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté. Dans le cadre du projet PNH, qui porte nom Plan stratégique de développement PSD 2017-2021, un troisième groupe policier qui a fait partie unité départementale maintien l'ordre, UDMO, après une formation intégrée pour quoi il est là, corps intervention maintien l'ordre, CIMO. Pendant la cérémonie de graduation, ça a été déroulé dans Moncas vendredi 24 avril 2021, département Nord-Est, côté diverses autorités ont pris la parole, parmi eux, responsable formation, commissaire divisionnaire, Eder Pierre, représentant INL, une instance américaine Cap Goumen contre affaires drogue et trafic illicite, M. Jean-Claude Mondésir, et représentant direction générale PNH, inspecteur général Joanny Caneus. C'était occasion pour responsable formation, commissaire divisionnaire Eder Pierre, te féliciter collègue Lio et puis rappeler nouveau gradué à qui sa formation ça après le servir. Les notions enseignées par les instructeurs en charge de forte formation en technique de gestion démocratique de foule vous permettra, récipiendaire, de faire face aux situations de violence dans le respect du principe des droits humains et de développer les valeurs de l'unité. Bon côté PAL, représentant ambassade américaine ensemble avec INL, M. Jean-Claude Mondésir, pas manqué par renouveler engagement États-Unis pour continuer aider PNH là, VINPI professionnel. L'effort des États-Unis pour soutenir la sécurité dans ce pays vont continuer. Soyez assurés. Yon l'autre côté, inspecteur général en chef PNH là, Joanny Caneus, remercier gouvernement américain pour support dans le cadre du projet ça. Pendant le tout profiter, annoncer formation ça pour l'autre policier qui dans l'autre département pays. Le cap est désormais mis sur d'autres départements pour répondre aux besoins du département en maintien d'ordre et d'intervention. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci, Jodelet Junior Saint-Ville, ou toujours sur la voie de l'Amérique, pour suivre un programme en langue créole haïtien, qui c'est rendez-vous info. Nous saluons tous les amis Facebook New York, qui toujours fidèles au rendez-vous, et nous saluons tous les amis qui suivent nous sur l'autre plateforme que nous gagnons, parce que nous gagnons plusieurs plateformes. Nous gagnons Twitter, nous gagnons Instagram, nous gagnons VOA Nouvelle, qui c'est page et site web et service créole là, et nous gagnons sous soir de nous là tout VOA Créole sous Facebook, et nous dit Jodelet Junior merci. Et qu'on y a nous pour l'entrée ici aux États-Unis pour nous parler de d'abord de immigration, vice-président américain Kamala Harris discutait avec président Guatemala Ariando Diamatei sous façon pour diminuer quantité immigrants Amérique centrale là cap vinn chercher asile aux États-Unis. C'est un dossier qui toujours été chaud pour nouvelle administration. Et d'ailleurs, président Joe Biden, malgré qu'il prend bon canet pour trois premiers mois, mais canet n'a pas fini bon dans la question immigration. Jean-Aubert Philippe, après le dis-nous plus.
Effectivement, vice-président américain Kamala Harris commence à travailler difficile ça, ou une d'académie, mission difficile ça que le président Joe Biden Bali pour arriver à travailler avec le président Amérique centrale, trois pays, particulièrement Guatemala, Salvador avec Nicaragua, pour arriver à diminuer le flot immigrants qui ont quitté le pays pour venir chercher asile aux États-Unis. Vice-président américain Kamala Harris parlait avec l'organisation communautaire dans Guatemala un jour après l'administration a annoncé une science économique à Claude Jeffort pour aider Guatemala et pays voisins à ralentir les problèmes d'immigration qui dépassaient. Rencontre souligne l'importance pour mettre le peuple Guatemala dans le sens de solution pour déraciner les causes des problèmes d'immigration. Pendant un compte vice-président Kamala Harris, te gagné avec le président Guatemala Alejandro Giammattei, li déclaré li pas capable de tendre pour tendre opinion organisation communautaire et monde qui vivent dans la région, doué dans sans toute démarche n'a fait. Une quantité d'immigrants voyagés sur Guatemala, El Salvador avec Honduras pour venir aux États-Unis. Quantité d'immigrants sérieux forcé président Joe Biden désigner vice-président Kamala Harris pour travailler avec le gouvernement trois pays sérieux ensemble avec Mexique pour essayer de discuter facteurs qui motivent la population partie quitter pays. Le programme Alimentation Mondiale PAM publie un rapport dans le consommateur ANEA pour le dire après plusieurs cyclones qui frappé la région, mettait avec effet économique pandémie coronavirus là. Quantité de monde qui fait face avec Gangou dans Guatemala, El Salvador avec Honduras, arrivé jusqu'à 7,8 millions de monde. Programme 310 millions de dollars, l'administration américaine a annoncé lundi 26 avril pour aller chercher résoudre le problème de sécurité alimentaire dans la région et puis distribuer l'autre besoin humanitaire. Et faut que là-dedans une assistance pour fermier yo manger avec programme alphabétisation pour tout monde qui gagne l'âge pour aller à l'école, service soulagement après désastre, service protection réfugié pour monde qui a cherché asile avec monde qui forcé abandonner caillou. I believe that the work in order to be successful will require everyone's participation and I do believe also it will require political will. Président Kamala Harris déclaré par président Guatemala Alejandro Giammattei. En plus de États-Unis, c'est responsabilité pour parler avec les pays voisins, sans oublier volonté pour porter l'espoir par le peuple Guatemala pour dire rester la caille pour peut-être pour avoir une opportunité pour tout le monde. Si nosotros, y me congratulo realmente de poder platicar con Monsieur Giammattei déclaré que le gouvernement lié a partagé l'objectif états-unien, l'a déclaré créer espoir dans consolider une mirage de prospérité, côté peuple après jouer une opportunité dans le propre pays pour avancer sans y pas nécessité aller dans un pays étranger tant aux États-Unis. C'est où ça qui est l'objectif nous. Deux pays sont d'accord sur un plan pour les États-Unis déployer un groupe employé du département de sécurité intérieure pour entraîner même unité protection frontière Guatemala. États-Unis et a aidé tout dans l'autre programme assistance pendant que l'a construit abri pour accueillir les immigrants qui retournent dans Guatemala. Merci Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert, faut dire que réunion ça fait entre président guatémaltèque là avec vice-président Kamala Harris dans le moment que président Joe Biden lui-même l'a paré demain pour la présenter un discours devant nation devant deux chambres congrès réunies et question immigration très naturellement on pas besoin gros savé pour connaître que l'a dans mi-temps et discours ça Jean-Aubert. Effectivement, c'est cheval bataille républicain surtout qui voulait pour le président parler de question d'immigration sur frontière sud États-Unis partagée avec Mexique. Parce qu'on connaît que ça, c'est point faible que l'administration a gagné. S'il marque point dans leur côté, mais là, c'est côté qui est difficile à faire. L'administration a pensé qu'il a bien fait assez. Et elle a été désignée vice-président pour le remplir comme ça. Mais la mission a commencé un peu tard. Mais c'est d'abord, il a cherché dans quelle mesure il a pris le problème à la source. Ça veut dire que commencer à résoudre le problème, créer des conditions, la caille et triangle, ça, triangle, c'est Guatemala, Nicaragua avec El Salvador, créer des conditions idéales pour les gens qui sont dans le pays. Parce que parmi les raisons de faire quitter le pays, tout c'est question de sécurité, tout, c'est question de crime, en plus de la misère. Mais les gens qui sont nous résoudre le problème dans le pays, la caillou, et bien, il faut rester dans le pays pour ne pas venir chercher une meilleure condition aux États-Unis. Merci Jean-Robert. Et donc, gros rendez-vous demain, c'est président Joe Biden qui prend la parole devant deux chambres congrès
réunis. Discours ça fait dans la soirée vers 8h comme ça, le Washington. Mes amis, c'est un plaisir. On l'autre fois encore pour nous te servir. Merci pour attention, merci pour fidélité et merci pour toute notre équipe là, en parlant de Lionel Demarat et puis Zorgnac et puis Natalia. Bonsoir tout le monde, à demain. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience ou. Moi pour aller m'a quitté non pas papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui est capable protéger ou bah la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, t'es content passer moment ça ensemble avec ou non pas me fou qu'on a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Me ramasser paquet moi cause habitant pas miser la ville. Moi pour aller mais m'a quitté n'a bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.